Dans ce musée du centre de Téhéran sont présentés plusieurs centaines de tapis, des plus récents aux plus anciens. Et pour rendre leur travail exceptionnel, chaque pièce produite est unique, ce qui fait de cet objet un article à collectionner et à forte valeur d'investissement. Mais les longues années de sanctions économiques ont tenu à l'écart de nombreux acheteurs étrangers. De plus, le pouvoir d'achat des clients locaux est limité. L'ensemble du secteur est en déclin. En 2012, l'Iran exportait pour 560 millions de dollars de tapis. En 2014, cette valeur a chuté à 330 millions de dollars. Le marché des États-Unis représentait 20 % des exportations annuelles de tapis persans iraniens. Dans le cadre de l'accord nucléaire avec l'Iran, Washington s'ouvre à nouveau aux tapis d'Iran. Tous ont hâte d'assister à la reprise du secteur.